Bonjour les noobies, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 28 de Dragon Quest Heroes. On a enfin terminé les quêtes annexes. Enfin, ça nous a pris jusqu'à H. Et c'était 8 heures. C'est incroyable. 8 heures de jeu pour faire toutes les quêtes. Et je suis même pas à la fin encore. Je sais même pas si on est vraiment à la fin du jeu. En tout cas, maintenant on va pouvoir avancer dans l'histoire. On s'en était allé du Nexus. Et on devait se rendre à Arbera. Je ne sais plus trop quoi. On va voir ça. L'honneur dans les caves. Au moment où le Nexus s'enfonce sous les vagues, l'équipe s'enfuit sur le dos d'Empyrea, ça on l'a fait. Le moment est venu pour nos amis de se dresser enfin contre le Seigneur des Ténèbres. Ah oui, oui. Il y a une attaque de monstre. Ouais, c'est la fin. Bon. Peut-être cette map ou la map d'après. Bon, en tout cas, dans moins de 5 heures, c'est fini. C'est parti. Ah, comme la première quête. Ah, enfin rentrer. C'est bon de revenir chez soi. Du moins, ça le serait si on n'était pas ici pour tenter de consolider l'endroit avant l'arrivée d'Arcane. L'avant-dernière mission. Si nous voulons avoir une chance de repousser le Seigneur des Ténèbres, dernier acte. Cette mission, on ne sait pas combien ils vont nous mettre. Nous devons renforcer les défenses d'Arbera. Le château et la ville doivent être sécurisés sans délai. Nous devons d'abord débarrasser le château de ces monstres. Ce passage devrait nous permettre d'entrer en rencontrant un minimum de résistance. Et c'est pas ici que nous sommes revenus. Quand tout a commencé, j'ai l'impression que c'était il y a des siècles. Mais bref, avançons. Ah, on est OP maintenant. Bon, ça commence déjà. Oh, chiant. Attends. On est mal placé là. Voilà, je pense qu'on est bien installé maintenant. Cadavre. Dis-moi de voir ça. Thank you.
reminds me of that day. I think I'm getting déjà vu. Lol. Back then, we really didn't know anything, did we? Not about our world, or even ourselves. Indeed. But now we know all, including what we must do to save our realm. On a tellement envie de Jessica. Médaille des familles. As long as we win, that's all that matters. On a enfin fini avec les monstres ici, sachant qu'on en est qu'à la cave, ils étaient quand même très nombreux. C'est vrai, c'est mauvais signe pour le reste du château. Nous devons nous préparer avant d'entrer dans la salle du trône. Nous pourrions ne pas aimer ce que nous y trouverons. Grrr, mon sanctuaire, mon lieu de paix, rempli jusqu'au plafond d'ennemis dégoulinants. Je ne saurais supporter cette image. Des scènes, non ? Ouais, je disais bien. Mes amis monstres d'Arbera étaient aussi méchants et agressifs que la dernière fois que je les ai vus. Je ne crois pas qu'ils vont toujours rester comme ça, dit. En battant Velasco, nous avons refermé la faille entre les dimensions et interrompu le flot d'énergie maléfique qui s'est déversé dans ce monde. En temps normal, cela aurait suffi à restaurer l'équilibre entre lumière et ténèbres et permis aux monstres de retrouver leur état normal. Mais maintenant qu'Arcane s'est réveillé, les effets provoqués par toute cette obscurité ne se dissipent plus, c'est bien ça? C'est exactement ça. Je dirais même qu'ils augmentent. Le générateur de ténèbres interdimensionnelles de Velasco n'était rien comparé au pouvoir dégagé par Arcane lui-même. Tant qu'il est éveillé, la balance penche largement du côté de l'obscurité. Nous ne jouerons plus avec nos amis monstres avant longtemps, je le crains. Et Velasco disparu, c'est Arcane lui-même qui dirige désormais les monstres. Attendez, mais dans ce cas, si nous battons Arkham, les monstres devraient donc redevenir normaux, non? Vous le pensez vraiment? Je pourrais à nouveau jouer avec mes amis, comme je le faisais jusqu'à maintenant? C'est exact, petit bonhomme. Mais ça, ce ne sera pas facile. Si nous le laissons atteindre l'arbre du monde avant de l'avoir battu, tout sera terminé. La lumière émise par l'Yggdrasil est notre dernière ligne de défense. Elle est tout ce qui se dresse encore entre nous et une obscurité infinie. En d'autres termes, nous devons impérativement vaincre Arcane dès son arrivée à Arbera. Pourquoi faire ça? Ça revient à ça, oui. Mais je sais qu'on peut y arriver. Et puis nous n'avons pas le choix. L'Yggdrasil et le monde comptent sur nous. Si on arrive à battre Arcane, le monde redeviendra comme avant. Allons lui montrer qui c'est qui commande. Nous avons le nom pour ça. Est-ce qu'il y a mes persos qui se baladent? Non, y'a rien. Ça m'arrange. Le grand nettoyage. Les monstres ont de nouveau envahi Arbera. Avant d'affronter Arcane, l'équipe doit d'abord lutter contre les hordes de monstres qui ont envahi le château et sécurisé la forteresse.
J'adore ces quêtes. Les monstres semblent avoir infesté le château en plus grand nombre encore que nous le redoutions. On le dirait bien en effet, et ce n'est pas tout. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus ingérables. Les pouvoirs obscurs d'Arcane doivent gagner en intensité, ce qui signifie qu'ils se rapprochent de la ville. Venez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mes gardes ont déjà commencé à mettre les habitants en sécurité dans les caves du château. Quoi qu'il arrive, nous ne devons pas permettre aux monstres de franchir ces portes. Où tout cela n'aura servi à rien. T'inquiète, t'inquiète. Don't let me down. Off you go. Off you go.
Is getting nearer. Nearer to Arba and Yggdrasil. Then there's no time to lose. We've got to evacuate the town before he gets here. But first, we must secure the castle so that the citizens may be brought here to safety. Un peu de cottage, je pense. Complètement un peu de cottage. Voilà. Help me out here.
this right now. Ah, mais personne. As long as we win, that's all that matters. Je ne vois plus aucun monstre dans les parages. Je crois que nous les avons tous eus. Louange à la déesse. Le palais est une nouvelle fois sécurisé. Votre Majesté, puis-je suggérer que nous nous aventurions en ville afin d'escorter les villageois restants jusqu'au château où ils seront en sécurité? Bien sûr, mon garçon. Nul homme, femme ou enfant ne sera laissé à la merci des monstres tant que je dirigerai ce beau royaume. Je gagne tellement plus de points. Tous pour un. Après avoir vaincu les monstres du château, l'équipe doit maintenant s'attacher à assurer la sécurité des citoyens d'Arbera. Escorter les habitants de la ville isolés à l'intérieur du château avant qu'Arcane n'arrive. Oh putain, encore de l'escorte de merde. Parfait, c'est le dernier, on dirait. Mes amis, le vacation est terminé. Ah, c'est bien ça. Voilà une bonne nouvelle. Au moins, ils seront à l'abri quand Arcane attaquera. Votre Majesté, on nous a rapporté que plusieurs personnes manquaient d'appel. Nous pensons qu'elles se trouvent quelque part en ville. Mais cet endroit va bientôt se transformer en champ de bataille. Ouh, je n'ai même pas eu le temps de lire. Votre Majesté, nous devons aller chercher les citoyens restants et les escorter pour les mettre à l'abri. Gardez, garde. Protégez les portes, ne laissez aucun monstre passer. Oui, capitaine, vous pouvez compter sur nous. Ah ouais, tout ça. Tellement de mobs.
La merde. C'est là que l'anneau de l'infléchif sera bien vu. C'est mieux quand même à équiper. C'est dessus. Un grand ennemi. Et maintenant. Boy, somebody get me out of here. I can't believe that bleeding jailer just ran off and left me here on my tud. Again, I swear. Peeping in the ladies' baths? Oh, that's low. I say we leave him for Shadroth. Never! Every one of my subjects deserves protection, no matter how depraved. It was one of them monsters over there what ran off with the key. You'll have to swipe it back. Ah, il est chaud direct. Ah, il est bien. Merci de lui.
Ouais, c'est pas mal, hein. Il nous attend. Très mauvais côté. On lui perd mon attaque. Your Highness, I'll never go near a bath again, I swear. Help! Somebody help me! Call Fisher! Call Fisher! Please help me! There are monsters in front of the door and I can't get out! Hold fast! We are coming to your aid! But I can't go to the castle yet. My wife is still out there somewhere. This ends right now. Gigaslash! We were running from the monsters together, but we got separated somehow. And... oh no! How awful! Don't worry, we'll help you find her. Indeed we shall. It is far too dangerous for you to seek her out alone. Are you sure? Oh, thank you ever so much. This is the path we took. She must have taken refuge somewhere. Follow me!
could she have got to? Darling, it's me! It's safe to come out now! Tu fais quoi, tu as Ouchou Ouchou? Et là, quoi? Eh ben, elle est où ta femme, hein? Salut. Gigaslash!
Archer. Here goes nothing. Axes of evil. Hustle! I understand. Fine by me. Tell me if I go too far. Twin Dragon Lash! You brought this on yourselves! There she is! Oh no, she's being attacked by monsters! Here we go! Alert! We must do help, Lady Wife! Giga Slash! Help me out here! Help me out here! Thank goodness you're safe, my darling. Those monsters didn't hurt you, did they? No, I'm fine now that you're here, sweet Kins. I knew you would come back for me. Oh, please. Can we get these two back to the castle before they make me sick?
Thank you enough. We'll never forget what you've done for us today. Losing was never an option. Piouf, on a finalement rassemblé tout le monde au château. On dirait, et juste à temps. Tout à fait, nous pouvons à présent affronter Arcane sans exposer les citoyens. Pour autant que nous parvenions à l'empêcher de franchir des portes du château. Il va bientôt arriver, j'imagine. Est-ce qu'on sait au moins à quoi s'attendre? Eh bien, les hommes à bord de l'aéro ont surveillé les environs. Et ils ont apparemment remarqué quelque chose d'intéressant. Retournons là-bas et écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Izil, tu nous as dit que tes hommes avaient remarqué quelque chose. Oui, comme je l'ai déjà évoqué, l'équipage de l'Aerox surveille depuis les airs tous les signes d'activité suspecte. Ils viennent tout juste de m'informer qu'une énorme nuée de monstres dirigeait pile dans notre direction. Nos éclaireurs, eux aussi, nous ont transmis la même information des moraliens. Une force gigantesque fonce à toute vitesse vers la capitale. Tous les monstres qui se mobilisent simultanément, Arcane ne doit pas être très loin derrière. On le dirait bien en effet, il n'existe aucun signe du Seigneur des Ténèbres pour l'instant, mais cela ne saurait tarder. Mais nous n'avons toujours pas trouvé le cercle de la lumière, est-ce qu'on peut vraiment envisager de faire face à Arcane sans cela? Je dois avouer qu'une pensée similaire m'a traversé l'esprit. Je pensais que nous aurions réussi à le dénicher, mais hélas, nous n'avons toujours pas le moindre indice quant à l'endroit où pourrait être, où il pourrait être. Je crains que nous ne puissions nous le procurer à temps avant l'arrivée du Grand Ténébreux. Bon, mais est-ce que quelqu'un nous a dit qu'on en avait absolument besoin? Comprenez-moi bien, je ne suis pas franchement ravi à l'idée de devoir nous en séparer, nous en passer, mais nous avons déjà prouvé que la force de l'amitié pouvait faire des miracles, non? Qui oserait affirmer qu'on ne peut pas abattre Arcane si on travaille tous ensemble? Tu n'as peut-être pas tout à fait tort. Au fond, n'est-ce pas la force de l'amitié qui l'a emporté sur le sac des ténèbres et a permis de vaincre Velasco? Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Oui, même sans le cercle de la lumière, nous avons peut-être une chance. Dada, confronté à nos pouvoirs combinés, aucune force de l'univers n'est assez puissante pour résister. Ouais, je suis d'accord. On va pas lâcher l'affaire maintenant, hein. C'est vrai, pourquoi perdre du temps à se soucier d'un trésor qu'on n'arrive pas à trouver alors qu'on peut tirer profit d'un trésor qu'on a déjà? La force de l'amitié triomphera. Tout le monde semble brûler d'impatience, et vous, votre majesté? Eh bien, ma chère Isilde, le feu de l'impatience me brûle de la tête aux pieds, qu'il nous pousse vers des victoires plus grandes encore. Venez, camarades, nous devons nous préparer une dernière fois pour l'arrivée du Seigneur des Ténèbres. Tant qu'on est tous ensemble, je n'ai pas peur. Vas-y Arcane, je te jure qu'on saura te recevoir. Ça c'est l'histoire. Ok. Attends, mais... trophée là, j'en ai pas.
décerné pour la découverte de 40 emplacements différents de téléportation. D'accord. Ouais, demi-millionnaire, ça. Ah, ça commence à donner. Pour avoir obtenu le nombre maximum de pierres de soie. Ok. Ouais, je dois avoir plein, là. Bon, pas tant que ça. Ah, j'aurais juste avancé dans le jeu. Merde. Ça aurait débloqué mes quêtes tout seul. Ouais. Pas grand chose à prendre avec, hein. Peut-être des orbes, hein. Je verrai bien. Les préparatifs sont enfin terminés pour la lutte contre Arkham, mais le combat final est proche. Il ne reste plus à nos héros qu'à s'avancer sur le champ de bataille et à se tenir prêt à la distance des ténèbres. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, ce sera pour après. Bon, en attendant, vous écoutiez Sacha Lina. Et je vous dis adieu. Jusqu'à la prochaine session.